Bienvenue mes petits culs pour un nouvel épisode de House Flipper. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai me suis fait plaisir en retravaillant la petite maisonnée. Vous voyez que déjà la porte d'entrée, elle est plus craignos sa mort. J'ai pas encore retravaillé l'extérieur, je pense parce que j'ai même pas essayé, mais je préfère que je la prenne avec vous pour faire les extérieurs, les murs et tout ça, tout ce qui est pour carreler les carrelages ou les sols et compagnie. J'ai nettoyé l'extérieur aussi. Vous pouvez voir qu'il y a des stores maintenant aux fenêtres. Donc, on va visiter cette nouvelle maison. Ouais. Oui, vous avez vu. Oui, alors il y a un petit bug au niveau du frigal que j'ai mis derrière la porte. Et puis voilà. Mais bon, le jeu ne considère pas ça bugué. Donc, voilà. Et voilà la nouvelle maison. Franchement, c'est un peu petit, hein. On est sur 16 mètres carrés, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, j'ai pris un pied intégral à faire tout ça. J'adore, je pourrais passer des heures, je pense, à refaire toute une maison. J'adore. Donc, comme je vous avais dit, j'ai repeint en blanc et j'avais mis le bleu nuit pour le lit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le petit coin de nuit comme ça en décalé. On arrive donc, on a le frigal. On a la petite cuisinette. Kitchenette avec la plaque à induction, l'évier et un peu de manger. Il y a une petite soupe aux tomates, des boulettes de viande, du thon, des couteaux. Et puis on fera bonjour aux voisins pendant qu'on cuisine. La petite horloge qui va bien. On peut aussi tout simplement s'asseoir pour manger, pour consulter notre ordinateur, pour se réchauffer, pour piquer un truc dans le frigo et pour mettre la petite poubelle qu'on n'oublie pas. On a la petite plantouille. Très mignonne. Ici, on passe à l'espace salon. Donc oui, effectivement, j'ai essayé d'optimiser le maximum. Notre canapé, magnifique, il peut faire de lit aussi, mais sinon, le jeu ne considère pas un canapé comme un lit. Ou quand on s'assoit, on a une télé énorme, c'est un super meuble. Alors, il n'y a pas de décoration dessus parce qu'en fait, c'est censé être un meuble qui se pose en hauteur. Mais je le trouve tellement classe, posé comme ça, que je l'ai laissé comme ça. Du coup, j'ai mis une petite plantounette ici, la petite photo du minou ici. Une autre plante ici, c'est peut-être de l'aloe vera. Et on arrive du coup à la petit coin chambre. Vous voyez, un lit, une place avec un tiroir pour les affaires. Ça aussi pour les affaires. La petite lampounette qu'on allume. Vous voyez, c'est trop bien. Le petit toile sérénité. On a mis un store ici qui est fermé alors que les autres, vous voyez, ils sont plus ouverts. On est vraiment sur une autre maison. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, il y avait plusieurs manières de l'aménager, j'aurais pu rester exactement sur ce que c'était au début, mais moi je voulais vraiment faire un petit coin chambre. Je m'étais dit, ce petit coin-là, il sera pour le lit. Donc voilà. Et alors, il y a une chose qui va pas être jolie, c'est la salle de bain. Voilà. Hein? Bon, j'ai mis le petit tapis, j'ai changé tout ce qui était douche, toilette et lavabo. J'ai remis un miroir qui n'est pas cassé. Mais vous voyez que le carrelage, il est quand même bien dégueu. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est que je voudrais apprendre à faire les carrelages avec vous. J'ai juste pas changé non plus le luminaire. Ça, je l'avais déjà mis et on a mis un petit store fermé. Et vous voyez, même la douche, on peut l'ouvrir. Ça fait le petit bruit, tout ça. On peut aller dans la douche. Hop! Et voilà! On peut ouvrir, se prendre sa douche, non? On peut pas? Bon, en tout cas, c'est fait, quoi. On peut sortir. Ah, on peut pas. On est obligé d'ouvrir les deux. On est gros. Ah, nous sommes gros. Hop. Et puis j'ai mis le petit tapis, tout ça, vu que bon, voilà, j'ai mis des petites bougies blanches et bleues. Je me dis, bon, on va peut-être partir sur du blanc et bleu aussi, je ne sais pas. Et par contre, on est complètement invisible. Vous voyez, même si je sors mes mains. Bon, on va bouger, mais voilà. Du coup, aussi, j'ai pu apprendre à utiliser mon. Mes skills dans ce jeu, on peut plus me déplacer, tout ça, poser les choses. Vraiment, ma maison, elle est quand même vachement bien comme ça. Hein. C'est un pied. Hein. Donc après, il faudra juste que je finisse la salle de bain et l'extérieur. En attendant, on va faire des petites missions. Alors, nous avons trois mails. Rajouter un mur, il faut s'occuper du mur. Je vous demande de m'aider, je paierai. Je pense que ça, on va s'occuper du mur. Jean Pissard, mon Dieu. Madame, monsieur, ces derniers temps, les grandes pièces sont très tendances puisque mon
voisin et le voisin de mon voisin ont démoli plusieurs murs dans leur maison. Le mieux, c'est de supprimer les murs qui séparent le salon de la cuisine et du couloir. En plus, dernièrement, ma voisine d'en face a peint les murs de sa chambre de couleur bleu clair et moi aussi, je voudrais bien en avoir de pareils. Mais mec, faut aussi de l'originalité un peu, non? Je sais pas, sort du lot. Je suis convaincue qu'une entreprise aussi professionnelle que la vôtre, n'est-ce pas, pourra réaliser ma demande sans aucun problème et ce, à un prix avantageux. Sincère salutation, Jean Pichard. Eh bien, nous allons y aller. On va péter du mur. Wesh, wesh, on va péter du mur. On va péter du mur. Alors, sans plus attendre, rentrons dans la maison. Alors, effectivement. Alors, je dis beaucoup de alors, et ça m'énerve. Alors, du coup. Et on va développer un nouveau skills alors. Oui! Construire des murs, détruire. Et vous voyez que le mur sur la petite map, là, en face de moi, il est rouge. Ça veut dire qu'il faut qu'on détruise ces deux petits murs-là et ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, c'est parti. Il faut que je sois maintenu. Ok. Et ça se fissure. Oh, ça casse! Ne vous inquiétez pas, les morceaux vont disparaître comme par magie. Yeah! Je vais kiffer ce jeu, mais vous n'avez même pas conscience du truc. Hein. Vraiment, vous n'avez pas conscience de la chose. J'ai jamais cassé le mur de ma vie, mais... Oh! Allez, vas-y, tombe! Allez! Boum! Regardez, ça disparaît comme par magie. Bonjour, le séjour! Hop! Un petit coup de massue, deux petits coups de massue, remettre un ici. On va casser là. Alors ça se casse tout seul. C'est super. J'ai un bon coup de massue, moi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens m'envient dans la vie parce que j'ai un bon coup de massue. Et je leur dis oui, je sais. Je suis au courant. Je sais que. Voilà. Oui, les morceaux n'ont même pas eu le temps de tomber. Il me reste un petit bout ici. Tac, c'est cassé. Allons-y, allons-y. Encore un petit coup, les enfants. Voilà. Information, nouveau point de compétence. Cool. On va les mettre tout de suite dans démolition. Démolir 25% rapidement ou force augmentée de 5. Marteau amélioré. On va améliorer notre petit martal. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Et moi je tape. Je sais, il faut que je tape ça, que je casse ça pour atteindre les autres, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien taper. Waouh! C'était beau. C'était de la qualité. Toi tu vas tomber. Voilà. Allez. Je peux attaquer mon autre mur. Est-ce que je serais pas un chouï loin? Voilà, vous voyez cette force? Cette force décuplée. Pan! Allez. Pan! Oh! Putain, c'était un all-in-one. J'ai tout pété d'un coup. Allez, encore un. Ta! Oh, il est beau celui-là. Allez. Pa! Ah, celui-là, je l'ai un peu raté. Ah, il y en a des bouts jusque dans l'évier, la vache! La violence du truc, regardez-moi ça! Je lol. Voilà. Alors attention, ce mur-là, en face de moi, vous voyez qu'il faut pas que je le casse. Hein. Mais non, hein, ce serait dommage. Par contre. Qu'est-ce que c'est que. Alors, je vais vendre la porte. Et je gagne 100. 100 euros, pas simple, je vais y arriver. Tac. Je ne veux pas gagner d'argent de cette façon. D'accord, monsieur, madame. Sauf que, oui, d'accord, bon, bah, tant pis, mec. Hein. Nous, on casse ton mur, donc il faudra bien quand même que tu l'enlèves, cet interrupteur qui ne servira plus à rien. Oh là 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 là! Oh, je suis la reine de la massue! Oh oui, regardez-moi ça, un château de cartes. Oh oui. Oh oui, oh, j'adore ça. Oh, oui.
Oui, vas-y, tombe. Clac, clac, clac! Oh oui! C'est bon ça, oui! Oh oui! Casse-moi ce mur, oui, vas-y, mais tu dis toute ta force! Oh oui! Oh, regardez, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Un petit peu d'aide. Ah, ah! Ah! Oh oui, il est tout fissuré! Ah, j'aime ça. Oh là là! Ouh là! Oh, c'est magnifique! Je mets pas du tout un câble, tout va bien! Ah, je pensais pas aimer à ce point. Casser les murs! Oh! Oh, il est beau, il est beau, il est beau! Paf! Allez, on n'en parle plus! Oui! Oh oui! Regardez! Oh! Oh oui! Oh oui, ça c'est de la... Oui, ça c'est de la bonne. Ah, c'est de la bonne. Ah, oh, oui! Continue comme ça, oui! Ah, oh, oui! Allez! Faut faire du all-in-one, là, Voilà! Oh oui, punaise, que j'adore quand ça tombe dans un seul morceau. Oh! Ça me fait des... Ça me fait des choses. Alors, attendez, on va... Ici, et... Ah, je me suis loupée, hein. Tout n'est pas parti d'un coup. Hein. Oh oui. Un petit coup pour là-haut. Voilà. Allez, ici, je le tape. Paf. Un petit coup ici. Oh oui. Oh oui. Ah, je suis désolée. Pour tous les bruits bizarres. Quand je vais me réentendre, je vais faire mais... Qu'est-ce que t'as foutu? Mais j'adore regarder... Ah! Oh, c'est pas grave, je vous couperai le surplus de. Oh oui! De cassage de mur pour les prochains épisodes. Ça, vous n'entendrez pas ces bruits incongrus. Oh! Oh oui, magnifique. Ah, oh, il était beau. Ah oh, oui, allez, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Et voilà. J'ai fini! J'ai fini! Et tout disparaît, c'est la magie de House Flipper. Nous avons ça. Ah bah appuyez pour jeter. Touk, touk. Est-ce que c'est les seuls trucs qui nous manquaient? Enfin qui nous manquaient, qui nous restaient. Voilà. Alors vous voyez que maintenant effectivement ça fait très grand. Et c'est très sympa. Modifier les murs 35 sur 35. Par contre, on lui laisse les murs en briques comme ça. Enfin, le mur en briques. Ouais, il y a l'air. Et une tâche dans une autre pièce. Est-ce que c'est ici? Ça a l'air. Oui! Alors, on va fermer la porte. Mais c'est la même couleur que chez moi, je crois. Ah, c'est mignon, c'est une jolie chambre. Peindre avec les couleurs bleues somnolents. Ok, on est parti. Alors oui, démolition. On va augmenter. Ah, on va augmenter encore le marteau. Oui. Alors, la peinture bleu somnolent. Bleu royal, bleu nuit, bleu indigo et délice azur bleu somnolent. On va passer en mode peinture lurette. Et je vais vous le passer un peu en accéléré, je pense. De toute façon, je vais gagner des points de compétence pour la peinture. Vous voyez, ça va quand même vachement plus vite, hein? Ah là là! Puis alors, sans recharger, vous voyez le nombre de pans de mur que j'ai fait sans recharger. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. C'est un vrai pied ce jeu, j'adore, ça me détend. Après, je peux raconter beaucoup de conneries, comme ça, si ça vous plaît, ben. Vous savez ce qu'il faut faire, hein? Vous me le dites, vous likez tout ça. Moi, je suis contente. Après, je continuerai House Flipper, ça c'est sûr. Il n'y a pas de ce sentiment d'échec avec ce jeu parce qu'on fait ce qu'on veut. Et je peux vous assurer que quand on fera les maisons à refaire et tout, à redécorer entièrement comme j'ai fait avec mon petit bureau là, après, c'est les ventes aux enchères, donc il faudra qu'on essaye de cibler.
tous les acheteurs et tout. Et ça va, franchement, ça risque d'être très sympa. Ou peut-être que je ferai absolument pas ce que les acheteurs veulent. Et je ferai à ma sauce. Et puis, ben, comme ça, on verra si on arrive quand même à vendre un truc hyper noir, gothique, moche, ou bariolé à mort, ou je sais pas. Ça peut être rigolo quand même de voir ça. Juste à se donner une idée de. Excusez-moi, je vais sauter sur le lit. Et sinon, j'arrive pas à peindre. Je suis pas dessus. Attendez. Hop, ça y est, là, je suis dessus. Ce qui me fait rire en plus, c'est que depuis tout à l'heure, j'entends un coq qui chante dans le jeu. Ça me fait rire. C'est à la campagne, hein. Voilà. Eh bien, j'en suis à 98%. Où est-ce que je n'ai pas passé la deuxième couche? Ah, c'est sournois. Voilà, j'ai repeint la chambre avec un seul pot de peinture. Franchement, je suis ravie. Moi, j'ai terminé mon chantier. Tac, tac, tac. On va refermer. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Tac. Chantier 100% finito. Nous allons partir. D'ailleurs, ouais, ils nous ont pas demandé de repeindre ici, hein. Moi, je repeins pas. Hein. Ils se démerdent. Touloulou, fermez la porte. Et voilà. Regardez cette jolie maison. Ouais, je vais te casser. Et donc, on a fini. Et on gagne 4 300. Alors, regardez la maison avant, quoi. Franchement, je dis, la maison que j'ai refaite, elle est quand même 40 000 fois mieux. Avec un petit espace, certes, dédié à chaque chose, mais petit espace quand même. On va faire une petite deuxième mission. Le caster apprécie quand il y a deux machins. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'on a gagné en point de. Alors, en négociation, on n'y est pas encore, hein. Ah, mais salaire sur les chantiers, on peut gagner 50% de plus. Eh, moi je vais mettre ça, comme ça on est bien bien bien. On va gagner pépette sur pépette. Regardez ma belle maison. Oh, j'en reviens pas, elle est trop belle. Surtout le frigo, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas prévu qu'il y ait un frigo hein, de base, parce que j'en avais pas dans la maison de base, mais c'est pas grave. Alors, nous avons toujours 3 emails. Rajoutez un mur, je vous demande de m'aider, je paierai. Je veux me servir de toi pour rénover ma maison, mon mignon. On va rajouter un mur, vu que c'est un des mails qu'on a reçu déjà. Thomas Champigny. Bonjour, je m'adresse à vous pour vous demander de bien vouloir rajouter un mur dans notre maison. Ma fille a déjà 3 ans et je pense que c'est le moment qu'elle ait sa propre chambre. Merci de bien vouloir séparer la chambre en 2 pièces. Les 2 pièces doivent avoir une porte qui donne sur le couloir. Mettez un lit neuf dans la chambre de ma fille, revendez son lit d'enfant. Sympa! Ah ouais, trop mignon! Ah, comme ça, là maintenant, on a détruit, on va reconstruire un mur. C'est plutôt pas mal. Oh, la maison, elle est chouquette. Oh, ah, j'aime bien. Elle est très mignonne. Elle est vraiment très sympa. Salut, c'est le plombier. Et la porte, elle est là. Hop. Ah, c'est fait avec goût. Ah, d'accord, je comprends les cadres comme ça. Ah ouais, regardez, on peut même faire les tasses et tout. C'est hyper sympathique. Bon, j'ai l'impression d'être debout sur la table. C'est très mignon, hein? Voilà. Ça, c'est les meubles que j'ai utilisés aussi. Tout séparé et tout. Ça fait une vraie cuisine et tout ça. Ça, c'est le même frigo que j'ai. Alors, non, ça, c'est la porte d'entrée. Non? Si? Non, je sais pas. Alors, je sais pas. On a ouvert la porte sur le placard secret de Monica. Hein? Si vous connaissez Friends, vous savez de quoi je parle. Ah, voilà. Oh oui. Alors attendez. Ah,
mais c'est ça, d'accord, il faut que j'aille là quand même. C'est pas le placard secret, en fait. Bah oui, mais tu m'étonnes. Il faut casser ça. Eh oui, ce sera la porte qui va ouvrir. Ok, bah allons-y, allons-y. Un petit coup de masse. Un petit coup de masse, mon chéri. Oh, oui. Oh, oui. Vas-y, chamboule tout, chamboule tout. Ah, oui, regardez-moi ça. C'est putain de plaisant, ça. Oh, ouh. Oh, oui, vas-y, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Toing, toing, toing. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Et voilà, et punaise, là, c'était, il n'y avait pas plus beau. Là, c'était magnifique. Hein. J'ai pas fait de bruit, mais ouh, ça l'était quand même dans ma tête. Amazing, you know? Est-ce que je suis pas bien placée? Ah, oh, les peluches, elles s'en sont pris plein la gueule, là. Franchement, elles s'y attendaient pas. C'était amazing. Voilà. Allez, boum, la chambre. Ah! Je vais me faire assommer par les boues. Oh oui, c'est bon ça, c'est bon. Oh oui, vas-y. Vas-y, tombe, tombe, tombe. Regardez-moi ça, le château de cartes. Pion. Et pion. Et pion. Ah, le truc, il est tout niqué. Ah! Je pense que là, on est bien. Pouf! Allez, c'est pour le plaisir. On a tout fini! Allez, encore un petit coup avant de partir. Ah oui. Non, tu sais que c'est fini, quoi. Alors, maintenant, on va se dire que on va diviser la chambre comme ça. Là où il y a le trait rouge, non? Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Ah, mais il faudrait dire qu'il faudrait bouger. Parce que toi, tu peux te fermer. On va bouger. Déjà, on va vendre le lit. Parce qu'il a dit qu'on pouvait le vendre. Voilà. On va bouger. Va mettre ça là. Oh, bah alors! Il y a tous les bordels qui tombent. Quel dommage. Hop là. Oui, bah ce sera pas aussi bien fait que moi, hein, que ce que c'était de base. Hein. Regardez ça. Hop. Ben oui, moi je peux pas le mettre par-dessus. Donc c'est nul. Voilà, et bah, il faudrait qu'on mette son lit. En attendant, on va faire un mur. Construire des murs. Ah bah oui, ça va nous coûter des sous, hein, ça, c'est sûr, hein, l'ami. Ah oui, il faut appuyer. Ok! Ça aussi, de toute façon, on va avoir des points de compétence qui va nous permettre d'être plus rapide. Ok. Ce sera quand même une bonne chambre, oui. Hein. Bah, 25 mètres carrés, si je coupe bien à moitié, ça fait 12,50 chacun. Moins l'épaisseur du mur, bien sûr. Ouais, eux, ils font des murs en briques. Nous, on fait plus des murs en placo. Mais bon. Ils construisent dans le solide, hein, aux States. Ça va. Mir, mir, mir. Ah non, il fallait le mettre à côté! Oh! Bah, il fallait le dire avant, hein, Jean-Édouard! Oh, je vais devoir casser mon mur. Je vais devoir casser mon mur. Ben oui, j'avais pas vu la ligne, moi. Hein. Ce bordel. Allez. Ah oh, oui! Oh, il était beau. Mais il faut le casser. Oh oui, c'est bon.
Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ok. Tiens, on va fermer la porte. Et boum! Il y a tout qui saute. Bon, il y a les deux que je dois casser quand même, hein. Et boum! Bon, j'ai quand même perdu des sous parce que bon. Voilà. Dans l'histoire, j'ai perdu des sous parce que j'avais pas construit le mur là où il fallait. Donc, je suis un peu bête, je vous l'accorde. Mais non, qu'est-ce que. Il est sensible, hein, il est sensible. Jean-Eudes là. Excusez-moi, j'ai mal au poignet en plus. À force de toujours jouer. Donc j'ai un peu de mal à supporter et la douleur et à jouer correctement en plaçant correctement ma souris. Surtout que ce jeu demande quand même pas mal de délicatesse. Touk. Oui. Allez, on construit, on construit. Ben, j'aurai plus vite mon point de compétence, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera tout juste avec l'armoire, hein. Donc j'aurais même pas dû déplacer la petite commode. C'est pas grave. On lui dira pas. Ah, par contre, est-ce que je peux passer par là? Oui. Ce sera plus à l'aise pour mettre à la fin du mur, parce qu'avec l'armoire, sinon j'aurais eu un peu de mal. Et j'ai la flemme de faire le tour et d'ouvrir les portes. Comment ça, je suis feignante? Dis donc, je vous entends, hein. Oups là. Et voilà le dernier mur. Ah, ok. Ça, c'est fait. Elle a un joli mur de briques, la demoiselle. Elle va placer un lit gris. Gris, gris, lit, gris, lit. Alors, construction. On va construire, bah oui. Le mur construit est aussitôt peint. On va aller plus rapidement, c'est mieux. Alors, lit. Lit gris, ben voilà. Est-ce que. On va le prendre à quoi? Ben foncé, parce que tout le reste de ces meubles sont foncés. Oreiller. Beige, alors attendez, on peut voir aussi le lit comme ça, un peu. Drap rose, ben c'est pas très jojo. Lila. Oui. Carreau. Ah ben voilà, parfait. Moi je prends ça. On le pivote. Pivoter. Pivoter. Putain, mais c'est vrai que je suis dans le champ, moi. Et si je vais mettre un lit. Voilà, c'est parce que je gênais. Attention, on va essayer de mettre le lit. Oui. Oui. Ouais. Oui, il n'est pas très très droit. On le pivote légèrement dans le bon sens et on essaie de le remettre. C'est. Ah, on y est presque, on y est presque. Il n'y a pas de place en fait, c'est ça. Il faut qu'il soit bancal pour passer. J'ai cette impression. Non. Il dit oui, mais quand. Attendez. Ah, oh, je suis désolée, mais là, il passe derrière le mur, hein, derrière le machin. Ah, bah oui, parce que j'avais mal mise. Oh, j'ai trop picolé. Voilà. Il n'y a aucun des joueurs qui s'est cassé la gueule. Bon, c'est pas mal. Pièce meublée. Alors, elle a 12 mètres carrés, la chambre. Voilà. La petite, elle va être contente, machin. Nous, on se tire de là. Hein, on nous a pas demandé de faire les murs non plus. Et qu'est-ce qu'ils veulent ici? Une tâche sur deux. Monter les équipements. Ah! C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut faire? Installer, ouais. Ah oui, hein. On enlève.
Ok. Les fameux petits fils hein, de la dernière fois que je n'avais pas compris qu'il fallait mettre les fils. Tchoup, tchoup et tchoup. Et la petite vis. Et la petite vis du milieu. Et il en faut encore une autre. On va fermer ici. Fermer là. Bon, on a dépassé ce qu'on doit faire, monter les équipements. Mais qu'est-ce qu'il veut que j'installe? Pas ça, non. On va la remettre. Hein. Ah bah ça y est, maintenant je peux plus la remettre. Ils vont se dire, bah, le gars, il a fait sa life et tout. Oui. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. Elle était bien avant que j'arrive, cette plante. Ah. Bon, elle est à 3 km, mais... C'est ici! Ouais. Mais il faut avoir l'œil hein, quand même, parce que bon, c'est pas évident. Hein. Les petits fils. Oh oui. J'aime ça. Moi, ça me passionne! Vous imaginez pas. Et voilà, 100% du chantier est fait. Ouais. Je pense que ça nous mène dehors. On est d'accord. Je vais fermer. Ah, il faut bien sûr que je sélectionne la porte. On va visiter un peu la maison. Ça doit être la salle d'eau. Oh! C'est trop mignon! Il y a vachement d'éléments et je les ai pas vus moi dans le mode de construction achat. Les carreaux sont hyper cool. Voilà, hein, on visite. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dans ce jeu. Donc là, c'était les deux chambres. Là, c'était. Mais non, il y a une cave. Ah. C'est sympathique. Ils n'ont pas caché de cadavre. Oups. Et on va fermer et on va s'en aller. C'était sympathico, les gens. Et c'était déjà pas mal. Voilà pour l'émission de. De chez mur, abattage de mur et création de mur. Fin du chantier, 4 210 euros. Oui, je suis happy. C'est parfait. Et nous revoilà à la maisonnée. Cette belle, si belle maison. Tadadam. Et voilà. Et ben moi je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode de House Flipper. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère que la maison vous aura plu. Les petites missions, tout ça. Et je vous donne donc rendez-vous pour un prochain. Et va savoir quelle mission va nous attendre. J'attends toujours de carreler et tout ça. Ça pourra être sympathique pour qu'on nous finisse notre maison. Et peut-être la vendre aussi. Hein, on sait pas trop. Allez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt. Allez, salut. Les petits culs.